Salut toi, c'est Cool Zero, bienvenue sur Grid, très content de te retrouver. On va continuer notre carrière avec la compétition Pro Truck Challenge. Comme toujours, en début d'épisode, pense à mettre un pouce bleu si ce type de vidéo te plaît, ça me soutient beaucoup, et à t'abonner à la chaîne, sans oublier d'activer la cloche pour ne louper aucun des nouveaux let's play que je publie régulièrement. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Bon allez, trêve de bavardage et place à l'action. Et ça commence bien, on va directement acheter une voiture. En même temps, c'est la solde disponible. C'est parti. La couleur me plaît bien. Donc on va partir directement sur ça. Sans attendre. À mon avis, ça va chauffer. Donc, course de 3 tours en journée au Crescent Valley. Circuit de 2 km 37. On est du coup en 14e position. Une position qu'on a l'habitude d'avoir dans ce jeu, malheureusement. Surtout qu'on ne fait pas les épreuves de qualif. Christelle, bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette épreuve des Grid World Series. Christelle, qu'est-ce qui attend nos pilotes ici? Eh bien, une chose que les stock cars savent faire, c'est conduire serré, prêt à dépasser. Et cette habileté à gagner des batailles est un vrai enseignement à tirer de cette série. Il ne reste plus longtemps avant le début de cette course des Grid World Series. Merci, Christelle. Allez, on y va, la grille de départ. On est en 14e position, on va falloir foncer, s'accrocher. Les stock cars, ça rigole pas. Allez hop, là. T'étonnes pas si tu te fais viser maintenant. Ennemi juré tout de suite. Ah, c'est du stock car là, on rigole pas, on fonce. Hein. J'essaie de leur foncer dedans, j'essaie de passer en intérieur, allez je m'appuie sur les concurrents. Je me laisse pas se faire, on joue des coudes. Ah c'est une conduite à l'américaine là. Attention on freine. C'est tout bon, je suis premier. Ça dérape à fond. Beau dérapage là, on garde la tête de la course, oh, limite tête à queue, j'ai failli partir. Heureusement, j'ai contrebraqué à fond. Super ce premier tour, tu mènes la course. Yes, alors là, oula. Waouh, bac à sable, bac à sable. Oula. J'ai failli en plus faire un tête à queue en venant, j'ai l'impression que j'ai créé un gros accident, ils ont tous freiné. Celui-là qui est devant, il va falloir que je le rattrape, c'est pas gagné. Il tente de s'échapper, là je le vois. Allez, c'est tout bon, il est devant moi. Allez, c'est bon, je le tiens. Je vais essayer de le faire par l'intérieur. Yes, c'est bon, je suis repassé premier. C'est chaud là cette course, c'est chaud. Allez, dernier tour. Maintiens cette position, dernier tour. On va essayer de conduire propre là. Waouh. Le fait qu'on soit en montée comme ça, je vois pas la piste et c'est... J'ai pas roulé si souvent que ça sur ce circuit, donc c'est pas évident. Allez, c'est du tout bon. C'est de se faire un beau dérapage, une belle sortie. Top, c'est bon. Bah, un peu trop vite, je ralentis. Gros freinage là. Allez, on réattaque, extérieur, intérieur. Dérapage. Je lâche rien. C'est pas grave. J'ai réussi à finir premier. Oh yeah. C'était loin d'être évident cette course.
Elle paraît comme ça, mais c'est pas évident du tout. On se dit qu'on va y arriver, mais non. Alors. Et non. Ah. Oh. On gagne 4 belles distinctions. Mais par contre, on ne monte pas de niveau. Pro Truck Challenge, drift sur 5000 mètres et effectuer 100 Power Drift. Et terminer 3e ou mieux dans 4 épreuves de Stock Car en mode carrière. Et attention, on finit sur le podium en première place. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je me suis éclaté. Dis-moi si tu as kiffé en commentaire. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait en début de Let's Play. Sans oublier la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me récompense pour le travail fourni, de montage, etc. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Cool Zero. Ciao, ciao.